Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur World of Warships pour faire une petite partie bataille aléatoire sur un T6, un croiseur T6 américain, le Cleveland. Donc débloqué récemment, le Cleveland pour l'instant il est plus du tout stock. Il est vraiment amélioré à fond, il a vraiment toutes les améliorations possibles et inimaginables. Avec comme amélioration l'appareil à gouverne modification 2, ce qui me permet de basculer le gouvernail un peu plus rapidement, donc être un peu plus maniable. Ensuite, j'ai système de contrôle des avaries modification 1. Ensuite, j'ai batterie principale modification 2 et armement principaux modification 1. Ne perdons pas de temps, hein, on va se lancer dans une bataille aléatoire. Et je vais vous parler aussi de ma toute nouvelle configuration. Donc avant tout, la nouvelle configuration que j'ai, en fait, c'est pas vraiment une nouvelle configuration que j'ai achetée. C'est choisi du dépannage informatique et un de mes collègues m'a redonné son ancien ordinateur. Donc c'est un HP Pavilion. Je vous mettrai bien sûr les détails de la configuration juste en dessous de la vidéo. Donc du coup, je me retrouve avec un i5 qui peut monter jusqu'à 3,2 GHz. Ensuite, une AMD. Non, une ATI Radeon HD dans les séries 6, si je me trompe pas. Elle a 15 Go de mémoire, mais en tout cas, comme vous pouvez le déjà constater, je vous mettrai en comparatif ma vidéo World of Warships en Omaha ou en New York contre les qualités de vidéo si présents. On peut déjà constater que ça a vraiment changé. Donc déjà je tourne à... Normalement quand j'enregistre pas je tourne à 55-60 fps. Là vu que j'enregistre j'ai dû descendre à 30 fps pour que ça soit à peu près fluide lors du montage vidéo. Donc on va éviter de partir un peu trop devant. J'ai chargé les obus AP et normalement bah let's go comme dirait l'autre. Alors grâce à cette nouvelle configuration, je peux faire un peu d'overclocking pour pouvoir augmenter les capacités, enfin les performances de l'ordinateur, même si je risque fort bien de l'endommager. Donc je vous laisse avec cette partie sur un Cleveland et moi je vous retrouve à la fin de cette bataille. Allez, à tout à l'heure. Gun crews are on full alert. The ship is on fire.
solved, sir. Anti-aircraft gun crews are on normal alert. Bon, et bien malheureusement, ce fut une partie de courte durée. Je viens de me rendre compte qu'en fait, en regardant la map, j'étais parti tout seul. Hein. Les autres avaient décidé de faire autre chose que de me suivre. Donc du coup, petit bonus, hein, vous allez, on s'attaque aussi au T6 cuirassé, donc avec le New Mexico. Bon, lui par contre, au niveau amélioration, j'ai le système de conduite de tir qui est en amélioré. J'ai les moteurs qui sont améliorés. Par contre, au niveau du reste, c'est pas amélioré. Donc, on va se lancer maintenant. On va pas perdre de temps. Allez, c'est parti. Sighted on the horizon. Cruiser detected.
suck. Torpedoes to starboard. Torpedoes to starboard.
fire. Torpedoes to port. Torpedoes to port. Torpedoes astern. Bon, eh bien, c'est ici que la vidéo se termine. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en Cleveland et en New York, en New Mexico. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit pouce, ça me ferait énormément plaisir. Et moi, je vous retrouve à la prochaine sur peut-être World of Warcraft, non. Non, je suis pas encore sur World of Warcraft, mais sur World of Warships ou un autre jeu. Donc, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!